Bonjour à tous, donc voici un nouveau petit tutoriel. Alors vous ferez fichier, nouveau, vous mettrez une largeur 2000, une hauteur de 600, une résolution à 72 et on va mettre un fond coloré. Donc pour ça, vous cliquez à l'intérieur du fond, vous mettrez en rouge 128, en vert 64 et en bleu 64 et vous ferez OK. Et OK. On va prendre la première image, donc image 1, vous la mettez sur votre espace de travail. Et dans ce tutoriel, nous allons utiliser le mode de photofiltre tout le long de ce tutoriel. Alors, vous voyez ici, c'est marqué mode. Donc, pour la première image, on va mettre un mode fusion de grains. Voilà. On va servir maintenant l'image numéro 2. Donc, vous déplacez. Alors, on essaye pour l'instant de placer à peu près comme ça. Vous ferez un clic droit, paramétrage manuel. Et vous mettrez pour X, moins 24. Et Y, moins 49. Alors là, je vais dans la... moins 49. Moins 49. Et vous ferez OK. Sur ce calque, nous allons utiliser le mode superposition. Donc, superposition est ici. On va prendre maintenant la troisième image. Voilà. Pareil, vous déplacez à peu près manuellement. Comme ça, vous ferez un clic droit. Vous mettrez pour X, moins 28. Et Y, moins 46. Voilà, vous ferez OK. Vous allez ici mettre le mode lumière gamma. Lumière gamma. On va mettre maintenant la quatrième image. Voilà, idem. Vous déplacez pour l'instant votre image manuellement, un clic droit, bon, après je vais pas vous répéter tout le temps la même chose, donc vous mettrez pour X, moins, on va voir, moins 17, non, alors là, à peu près comme ça, donc pour X, moins 20 et 56 pour Y. Là, vous mettrez le mode incrustation. On va maintenant mettre la cinquième image. Vous essayerez de placer donc cette cinquième image à moins 2 et moins 5. Alors, avec les touches du clavier, là j'ai fait. Et vous voyez les valeurs ici, moins 2, moins 5, juste là. Et là, on va mettre le mode gamma plus. Gamma plus, voilà. Donc, on continue avec la sixième image. Là, je vais la placer à moins 3. Et là, je prends avec les touches de mon clavier pour être à moins 56. Vous voyez les valeurs qui bougent à ce niveau-là. Tout en bas, donc moins 56. On a plusieurs manières de pouvoir positionner les éléments. Donc, moins 3, moins 56. Et là, vous me mettez en extraction de grains. Donc ça vous donne déjà un petit rendu. On va maintenant mettre la septième image. Alors vous voyez qu'elle n'est pas bien redimensionnée. Donc on va faire un clic droit, paramétrage manuel. Et ici, vous allez mettre 1000 par 600. Et OK. Voilà.
Et sur ce calque, vous ferez lumière dure. Lumière dure. Alors, nous allons continuer avec la huitième image. Image 8. Vous allez mettre ici en minimum. En mode minimum. Voilà. Alors on dirait, ouais, ça n'a pas fait grand chose. Si, ça réduit un petit peu la luminosité qui se trouvait ici. Maintenant, nous allons prendre l'image numéro 9. Vous allez faire un clic droit, paramétrage manuel, et on va positionner. Donc, on va mettre 347 pour X et 36 pour Y. Et vous ferez OK. Et on va dupliquer, je crois, sur celui-là, vous allez mettre un mode produit. Donc, mode produit. Et maintenant, on va le dupliquer. Alors, quand vous dupliquez, ça garde le mode que vous avez mis auparavant. Sur celui-là, on va mettre le deuxième, on va faire lumière gamma. Vous voyez, ça ressort un peu plus la couleur. La luminosité qui était derrière l'arbre. Maintenant, on va prendre la dixième image. Donc, c'est le personnage ici avec des fleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les coquelicots qui sont là. Donc, je vais le positionner pour l'instant manuellement à peu près ici. Vous voyez, on n'est pas obligé de prendre tout le temps les personnages. On peut prendre des éléments qui nous plaisent sur un tube. Alors, je fais un clic droit, paramétrage manuel. Alors, la position, c'est 335. Et 257. Et vous allez décocher conserver les proportions. Et on va mettre ici 672 et 742. 742. Et vous ferez OK. Voilà. Et sur ce tube, on va mettre une lumière dure. Lumière dure. Vous voyez, on voit quand même un peu les fleurs qui sont ici. Maintenant, on va prendre la onzième image. Voilà. Et vous allez mettre une opacité ici à 40%. 40%. Et on va mettre un mode maximum. Donc, maximum, il est là. Voilà. Nous allons maintenant chercher le personnage. Donc, le personnage. On va faire une symétrie horizontale. On va le placer. Donc, paramétrage manuel. Alors, c'est un tube que j'ai trouvé sur le net, sans signature, sans rien. Donc, autrement, si je laisse le nom d'enregistrement qui a été fait là. Alors là, vous allez le mettre à 2 en position. Et moins 29. Moins 29. Et on fait OK. Alors sur ce tube, alors si vous l'ouvrez à côté, j'ai laissé. Donc c'est 6 bijoux qui a fait le tube. Donc, j'ai laissé le... J'avais pas de signature dessus. Donc, voilà. Maintenant, on va fusionner tous les calques. Vous voyez, c'est fini. On va fusionner tous les calques. Sauf le personnage. Alors, vous allez mettre le personnage en non visible. Alors, vous pouvez faire un enregistré sous, en PFI. En cas si vous vous trompez pour le prochain filtre qu'on va utiliser. Alors vous pouvez toujours faire fichier enregistrer sous. Vous enregistrez en mode PFI. Vous mettez le titre de votre création. Comme ça, au cas où le futur filtre qu'on va utiliser se ferme,
vous n'avez pas tout besoin de recommencer la création. Alors, ici, je vais faire maintenant calque, fusionner tous les calques visibles. Il me reste le calque du personnage ici. Vous allez vous mettre sur le calque du fond. On va utiliser maintenant un filtre. Filtre, 8BF, Redfield, et on va prendre le plastéroïde. Voilà. Alors, pour aider à remplir ce le filtre, je vous ai mis une capture d'écran dans le dossier. Donc, on va aller le chercher avant de mettre le filtre. Donc, je vais chercher ma capture d'écran. Ici, il y a toutes les données. Donc, on va essayer de mettre à peu près pour pouvoir mettre les valeurs. Alors, je me remets, afin de vous faciliter la tâche, je me remets sur mon image, ma création. Alors, je vais faire filtre. Alors, je vais faire édition. Non, c'est... Bah, comme je l'ai pas fait, donc filtre, 8BF, Redfield, plastéroïde. Alors, vous voyez, ici, je vais mettre moins 25. Alors, moins 25. Alors, hop, vous cochez comme j'ai coché là. Et on va descendre, vous voyez, à moins 25. Rotate, c'est à 12. Nuance, c'est à 23. Alors, d'abord, on va choisir ici la texture. Donc voilà la texture. Et je vais mettre une nuance à 23. Voilà. Après, je laisse blue comme ça. Là, c'est en 0. 11.7, 0.5. Maintenant, on va aller sur la colonne 2 à pattern color. Donc ici, on va mettre moins 22. Donc vous descendez à moins 22. Vous allez monter ici à 8. À 8. Pour le Y, vous allez descendre à moins 33. Donc vous avez juste à suivre votre capteur d'écran qui se trouve ici. Donc là, j'ai mis la frame. Vous descendez, vous voyez ça, vous voyez le truc qui bouge ici. Donc la frame, je vais mettre à 19. Voilà. L'image texture, là c'est donné 0,0. La image color, donc 0. Là vous allez jusqu'à 4. Voilà. Et là vous allez jusqu'à moins 5. Non, là je me suis trompé de bouton. Voilà, donc je prends celui-là du milieu et j'ai 100 à moins 5. Je laisse une opacité ici à 100, mais là je jouais sur ma valeur à 15. Donc 15. Alors après, là je monte à 4. Voilà. Et là je mets à moins 9. Alors, tac tac. Ici, vous cliquerez là et vous mettrez donc le background. On va mettre en blanc. Donc vous cliquez dessus. Moi je le veux en blanc. Donc on va. Alors, j'ai eu du mal à sélectionner le macro-temps. Mais bon, vous avez juste à faire comme ça. Vous essayez. Vous voyez, si je fais ça, c'est... Alors. Voilà. Alors, devant vous, je teste le filtre aussi. Donc ici, vous voyez, j'ai mis en blanc. Donc,
je vous refais faire, vous mettrez dans Picker. Donc Picker, ça doit être sans doute la sélection de la couleur, et vous choisissez blanc. Et là, maintenant, on va faire, alors vous mettez bien en Canvas, et on fait Entrée. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Maintenant, vous avez juste à, pof, mettre visible le personnage. Il vous reste à signer et votre réalisation est finie. Si, avant, bien sûr, vous ferez clac, fusionner avec le calque inférieur, vous prenez votre outil texte ou un autre logiciel pour faire votre signature. Alors, j'espère que ce petit tutoriel à l'occasion d'Halloween vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Thank you.